Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de mon Traveler Notebook donc qui a été fait main par ma copine Sweetie Kiss Life, donc qui a créé récemment une chaîne YouTube avec des plans with me, plein de présentations de jolies choses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est parti pour la présentation. Donc cette petite chose est en cuir de couleur prune. Donc j'ai mis un attrape-rêve, un dream catcher sur la tranche. Donc voilà, il est magnifique. Donc c'était Karine qui me l'avait offert aussi. Donc des petits gris-gris, donc ça offert par une copine Aurélie. Il est super beau, vous voyez, avec des petits strass. Ça c'est un petit mug style Starbucks que j'avais trouvé sur AliExpress. Et donc ça c'est les petits gris-gris que Karine m'avait mis. Et ça c'est un autre petit gris-gris, pareil, que ma copine Aurélie m'a offert. Donc on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, comment vous dire? Ah, voilà, le machin est blindé. Donc je vais faire avec les deux mains, sinon ça va être compliqué. Donc j'ai décoré l'intérieur avec le kit PSK donc du mois de janvier. Je cherche, hein, je cherche, je cherche. Et donc des petites choses qui ont été offertes donc, par des copines, donc Aurélie et Emeline. Donc Emeline de Mummy Poppins, c'est Val de la Nurserie. Donc là j'ai fait... On va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc des pochettes avec la plastifieuse. Et j'ai pu réussir à faire un checker dashboard. Mince. Donc j'ai ajouté un petit cœur en mousse qui se fait sans arrêt la malle. Donc là, j'ai un petit paperclip qui m'a été offert toujours par ma copine Aurélie. Oui, je sais, j'ai été gâtée. Et donc ça vient de la boutique d'Otimou. Voilà. Donc j'ai mis une des sticky notes du kit et puis bah, je l'ai utilisé hein, vraiment comme image. Donc mon premier carnet qui est wishlist et où je suis censée noter mes achats extra, genre scrap, beauté, pour voilà, me rendre compte de la somme dépensée et peut-être du coup dépenser moins, n'est-ce pas? Donc ensuite une autre petite pochette donc, que j'ai fait avec la plastifieuse et que on m'a donné l'astuce pour pouvoir faire des pochettes et pouvoir, même si c'est plastifié, pouvoir mettre mes papiers, que ce soit amovible. Donc voilà, donc j'ai utilisé toujours hein, ce fameux kit. Et donc là j'ai utilisé le signe qui était vraiment trop beau. Donc là j'ai une pochette passeport dans laquelle j'ai mis des washi. Donc voilà, ça s'enlève hein, comme ça, comme ceci. Ensuite j'ai un carnet pour marquer des activités à faire ou des petites choses, voilà, pense bête par rapport à la maison. Donc voilà, activities home. Donc ça, ça veut pas coller, hein, c'est infernal. Ensuite, j'ai refait d'autres petites pochettes parce que je trouve que c'est le charme du Traveler Notebook, c'est d'avoir plein de petites pochettes avec voilà, de jolies décos, c'est tout petit, c'est trop chou. J'ai utilisé le paperclip donc du PSK. Par contre, c'est vrai qu'il se fait la malle, donc il faudrait que je leur colle avec de la colle chaude carrément pour être tranquille. Donc là j'ai fait un petit décor, donc ça c'était des chipboards qui me restaient de Gather, mais je trouvais que ça allait bien, c'était sympa, ça changeait un peu des fleurs. Et donc là dedans j'ai décidé d'intégrer le mini planeur, si on peut dire ça comme ça. Et du coup j'ai mis tous mes petits stickers, planeur society kit, voilà, à utiliser exclusivement dans mon TM. Et donc là, vous voyez un petit signe. En fait, c'est tout simplement une petite barrette à cheveux pour les petites filles, mais que j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Donc, achetée chez H&M. Et du coup, voilà, je le mets là-dedans. Donc, vous voyez, lui, il se fait la malle. Il faut vraiment que je le recolle. Donc voilà, je trouve ça trop mignon d'avoir un mini traveler, on va dire, dans le travel. Ensuite, trois pochettes. Voilà. Toujours avec des super décos. Ce kit était vraiment...
Magnifique, du moins, moi je l'ai adoré, donc je l'ai vraiment utilisé vite fait. Donc là, le petit carnet où il faut que je marque mes pense-bêtes Instagram, parce que des fois il y a des petits comptes sympas, voilà, qui ont des fois des choses superbes, mais pas tout le temps, et que je veux pas forcément m'abonner à 15 000 comptes. Je pense que je vais les mettre là-dedans. Et pareil pour les boutiques Etsy, parce que des fois on repère des choses via Instagram et après on sait plus quoi. Ensuite j'ai fait un petit, voilà, petit porte-clés avec une des sticky notes. Donc j'ai plastifié, hein, tout simplement. Donc là un autre carnet où là j'ai mis un paperclip que ma copine de Naya Papery m'avait offert. Donc Naya Papery, c'est une boutique Etsy spéciale planeur. Donc là dedans j'ai mis personal, project, girl boss et notes. Donc vraiment un petit pêle-mêle de tout, plein de choses que j'ai à noter, voilà. Sur la fin, j'ai remis du washi tape. Donc pour celles qui le reconnaissent, donc oui, c'était des échantillons des washi Michaels Tea Time qu'une voilà, qu'une correspondante m'a envoyé. Hop. Vous voyez ces petits trucs là, ils font que de se décoller. Il faudrait que je trouve un autre système pour les coller. Et donc là j'ai fait un petit truc pour que la couverture soit un petit peu plus rigide, parce que c'est vrai qu'elle est très molle. Et donc du coup j'ai plastifié un reste de papier pour vraiment voilà, faire une petite épaisseur sur le fond. Donc là j'ai mis quelques sticky notes. Donc j'ai mis le fameux stylo voilà, du PSK qui est magnifique. Donc c'est terminé pour voilà, la présentation de mon Traveler Notebook. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.